Bienvenue à cette célébration. On commence toujours par le prône, quelques petites annonces. Nous vous rappelons notre temps de prière et d'adoration ce dimanche de 14h à l'occasion de la solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Bienvenue à tous. À l'église Sainte-Geneviève, le vendredi 24 juin, nous soulignerons d'une façon particulière la fête de Saint-Jean-Baptiste, patron des Canadiens français. Un prélude musical est prévu à 10h30. Après la messe de 10h45, il y aura une courte animation musicale comportant des chants de circonstances où vous serez invités à participer. Un léger goûter sera servi après la célébration. Vous êtes les bienvenus. Pour plus de détails, vous pouvez consulter le feuillet paroissial. Vous pouvez noter aussi qu'il y a un nouveau numéro d'info paroisse qui était disponible à partir d'aujourd'hui. Je vous invite à le prendre parce qu'il donne quand même de l'information complémentaire au feuillet paroissial. Je souhaite la bienvenue à l'abbé François Jarre qui présidera notre célébration et bonne fête des Pères. Bonne célébration. Thank you.
et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus, présent dans le sacrement de son corps et de son sang, vous comble. Alors, je suis très heureux de revenir ici. Je suis en 87. Mais honnêtement, il faut que je vous dise que j'ai été 20 ans à Montréal de 97, donc 10 ans plus tard, jusqu'à 2019, avec deux interludes, puisque j'ai été à Pont-Rouge en 2015 et puis dans Bellechasse en 2016. Alors, ça me fait plaisir de vous retrouver et de présider cette célébration avec vous, spécialement du Saint-Sacrement ou de la fête de Dieu, comme on le dit bien. Le Seigneur nous invite à sa table et nous offre le seul pain qui va combler nos fins d'amour, de vérité, de plénitude. Ce pain, lui, réjouissons-nous, pardon de sa miséricorde, pardon de sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui as nourri abondamment la foule nombreuse qui te suivait, prends pitié de nous. Toi, le Père, la vie, on prend pitié de nous. Amen. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, combler les fins des pécheurs que nous sommes, prends pitié de nous. Amen. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Préparons notre prière. Seigneur Jésus-Christ, au sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Nous devons les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Par toi qui vis et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Il y a deux semaines, nous célébrions la Pentecôte. Après ça, la Sainte Trinité. Pourquoi? Parce que ça arrive, disons, après toute la fin du ministère de Jésus. Mais la Sainte Trinité, c'est qu'elle était là tout le temps.
pour accompagner Jésus sur sa route, même à sa passion. Mais là, on n'est pas le Vendredi Saint, ça fait que j'en parlerai pas. Mais donc, aujourd'hui, la liturgie nous invite à célébrer le Saint-Sacrement pour nous faire redécouvrir et approfondir le mystère du corps et du sang du Seigneur, qui est au cœur de notre vie spirituelle. Alors, nous allons écouter un livre de la Genèse. Là, je veux juste vous démêler un peu. C'est qu'à l'époque, les rois, c'était des petits royaumes de pas grand-chose. Alors, le roi était en même temps le grand prêtre. Alors, Melchisédek, qui vient rencontrer Abraham, il est prêtre, mais de temps en temps, on dit qu'il est roi aussi. Mais c'est la même chose. Dans ce temps-là, c'était tout mêlé, tout ça. Comme des fois, ça arrive que la religion et la politique se mêlent. Bon. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut qui a fait le ciel et la terre. » Et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna le dixième de tout ce qu'il avait pris. Parole du Seigneur. Saint Paul apôtre aux Corinthiens.
frères. Moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis l'ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Alors nous avons la séquence ce jour-ci. Alors c'est assez simple, si vous avez votre prions en Église à la page 10, dans la colonne de droite, vous avez un au milieu de la page. Je lirai le premier et le troisième paragraphe. Vous pourrez faire ensemble, comme assemblée, le deuxième et le quatrième. Le voici, le pain des anges. Il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu qu'on ne peut jeter aux chiens. Bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aide-nous, nourris-nous, protège-nous, fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait. Le jour commençait à baisser, alors les douze s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie cette foule, qu'il aille dans les villages et les campagnes des environs, afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. »
Mais il leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent, « Nous n'avons pas plus que 5 pains à peut-être pour tout ce peuple. » Il y avait environ... Jésus dit à ses disciples, « Asseoir par groupe de 50 environ. » Les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient, cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile, d'ailleurs vous avez la même chose dans les évangiles des synoptiques, Saint Marc, Saint Matthieu, ici c'est Saint Luc, donc dans le récit, même Saint Jean, au chapitre 6, dans le récit de la multiplication des pains, vous avez toute la structure de la messe. Alors ce texte-là se trouve, ce texte-ci, je devrais dire, qu'on vient de lire et proclamer, ce texte-ci nous donne la messe. C'est comme ça que la messe a été bâtie, à partir de ça, de l'Évangile, tout simplement. Alors vous avez, par exemple, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu. Ben, la liturgie de la parole, c'est ça. On a lu des textes de Saint Paul, on a lu un texte d'Ancien Testament, on a les évangiles, la parole de Dieu, ça parle du règne de Dieu. Il y a aussi Jésus guérissait ceux qui en avaient besoin. Et lorsque Jésus guérissait, il pardonnait aussi les péchés. Hein? Va, prends ton grabat et marche, tes péchés sont pardonnés. Bon, tu étais sauvé, le paralysé, là, qu'on appelle paralytique, se levait et partait. Mais il était aussi pardonné. C'est pour ça que normalement les prêtres sont disponibles avant la messe pour le sacrement du pardon. C'est ce qui est dans le texte de l'Évangile. Et puis le jour commençait à baisser. Ça représente un petit peu l'Ancien Testament. Parce que au temple de Jérusalem, on mettait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'encens. Là, vous l'avez vu, là, il y en est sorti de la fumée pas mal. Alors, on en mettait beaucoup pour signifier la présence de Dieu dans le temple. Mais la religion juive baissait, ça diminuait. Le monde autour de la Méditerranée cherchait. Cherchent tous les païens, tous les Romains, tout ce monde-là, les Grecs, les Carthaginois, tout le monde cherchait. Il fallait qu'il se passe quelque chose. Les Juifs aussi cherchaient, attendaient le Messie. Et ça cherchait tellement fort que Saint Jean-Baptiste, vous allez rire de moi un peu, pensez-y, parce que vous allez avoir la messe de Saint Jean-Baptiste bientôt. Mais Saint Jean-Baptiste, c'est celui qui ramassait les non-pratiquants. Puis Jésus est allé se faire baptiser avec des non-pratiquants. Ceux qui n'allaient pas au temple se ramassaient avec Jean-Baptiste. Parce qu'ils espéraient du nouveau. Alors, le jour commençait à baisser. C'est ça que ça veut dire, l'Ancien Testament. Et donc, Jésus va apporter la vraie présence de Dieu dans l'Eucharistie. Alors, les 12 s'approchent et lui disent, parce qu'il fait sourd, il fait noir, il commence à faire noir, « Renvoie cette foule. » Ça, c'est le contraire de la messe. Hein? C'est ennuyant, c'est plate. « Renvoie la foule. » On leur dit, « Vous reviendrez une autre fois, là. » Alors, non. Qu'ils aillent dans les villages se nourrir et se loger. Non, non. La messe, c'est un rassemblement. Alors, Jésus n'accepte pas. On est ici pour être rassemblés en communauté. Et alors, nous sommes dans un endroit désert, oui. Il y a toutes sortes d'idées, il y a toutes sortes de théories qui circulent, il y a toutes sortes de... Chacun fait sa propre religion, et bon, et tout ça. Mais finalement, ça conduit à un désert.
si vous remarquez. C'est pas mieux que tout le monde pense la même chose en même temps. Non, il faut de l'espace pour le cheminement personnel, il faut de l'espace pour laisser le Saint-Esprit qui travaille différemment en chaque personne. Le Saint-Esprit, c'est comme l'eau. L'eau, c'est bon pour les plantes, c'est bon pour les animaux, c'est bon pour les poissons, c'est bon pour les humains. Hein? L'eau, ça travaille différemment dans chaque réalité de la vie. Le Saint-Esprit, c'est pareil pour chaque communauté, pour chaque personne. Alors, si on est trop centré, on ne se laisse pas assez inspirer par Dieu, par l'Esprit, si on est loin de la communauté, ben, à un moment donné, il se crée un désert. Puis on se demande de quoi sera fait l'avenir. Alors là, Jésus dit aux apôtres, « Donnez-leur vous-même à manger. » Je vais y revenir. Hein? Les apôtres sont un peu surpris. Alors, il dit, mais on a juste 5 pains et 2 poissons, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? À moins d'aller acheter dans les fermes. Ils n'ont pas saisi. Et Jésus leur dit, faites asseoir les personnes par groupe de 50. 50, là, ça, c'est le chiffre de la Pentecôte. 40, on le sait. 40, c'est le carême. Bon, et tout ça. Mais là, puis Jésus au désert, 40 jours. Alors, mais la Pentecôte, c'est 50. Entre Pâques et le dimanche de la Pentecôte, il y a 50 jours. C'est le chiffre du Saint-Esprit. Alors, faites-les asseoir par groupe de 50. Le Saint-Esprit va travailler. Et vous allez voir, quand on fait la messe, on demande 2 fois le Saint-Esprit de venir. Vous allez voir au début, je vais imposer la main sur les offrandes. Père du ciel, envoie ton esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang. C'est pas François qui fait ça, là. C'est Saint-Esprit. François, dans son ordination, il représente Jésus. Hein, il est Jésus en personne. Moi, je disparais, là. Puis Jésus agit à travers moi. Mais c'est pas l'être humain qui fait ça, c'est le Saint-Esprit, l'esprit du ressuscité. De Jésus ressuscité qui va transformer le pain et le vin dans la personne du ressuscité, Jésus mort et ressuscité. Et il revient, le Saint-Esprit est toujours là, mais je veux dire, on le prie très clairement une deuxième fois dans la deuxième prière après la consécration, je l'insisterai tout à l'heure, pour qu'il nous rassemble dans une vraie famille, hein, une vraie famille spirituelle qui a un esprit de famille, comme la Sainte Trinité, hein, et une unité entre les 3 personnes pour que notre communauté, puis toutes les communautés du monde, chrétiennes d'abord, et ensuite communauté humaine, finissent par être unies. Ce qui n'est pas si facile, mais ça prend vraiment l'action de Dieu. Donc on va demander ça, et ça va nous préparer à la communion. Alors, donc, groupe de 50, ils exécutèrent la demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons. Tout à l'heure, Christian, notre diacre, là, il va, je ne sais pas où elles sont les offrandes, je ne les vois pas, je ne sais pas si sont supposées être sur la table ou en arrière peut-être. Alors, il va recevoir les offrandes. Alors, et il va les apporter à l'autel et au prêtre, donc à Jésus qui est là. Et levant les yeux au ciel, donc Jésus reçoit les offrandes, il prononce la bénédiction sur eux, donc c'est la consécration, vous imaginez, du pain. Et les poissons représentent le vin. Pourquoi? Parce qu'il y a du sang dans les poissons. Et ça signifie aussi l'animal qui donne sa vie. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé ce qu'on appelle jigé, hein, la morue en Gaspésie. La morue, elle, est dans un bain, puis elle ne bouge pas. Puis là, tu arrives avec ton hameçon, tu la cherches. Puis à un moment donné, tu l'attrapes. Des fois, tu l'attrapes par la queue, des fois, tu l'attrapes par une oreille, mais tu l'attrapes, puis elle se laisse faire. Et puis, tu la prends, puis elle ne se débat même pas. Puis tu dis, c'est bon, la morue, hein, fraîche, c'est très bon. Alors, c'est Jésus qui s'abandonne sur la croix, qui laisse son sang. C'est pour ça que les poissons représentent le vin qu'on a à la messe. Le vin du sacrifice, le vin du don de sa vie. Et Jésus prononce la bénédiction, il les rompit. Bon, là, vous allez vous demander, comment ça se fait que nous, à la messe, on ne fait pas ce que Jésus faisait?
On dit la bénédiction, puis on devrait couper le pain. Puis après ça, c'est ceci est mon corps. Hein, puis après ça, lever la baptême. On fait la rupture, hein, on rompt le pain avant la communion. Pour deux raisons. La première, c'est que ce n'est pas du mimétisme. Mimétisme, ça veut dire faire exactement ce que Jésus à la lettre, là, ce que Jésus faisait. Non. Nous sommes une communauté de foi. Nous sommes ensemble le corps du Christ. Il est la tête. Mais nous rompons le pain avant la communion parce que la communion, ce n'est pas une pilule de santé spirituelle. La communion, c'est une union avec Jésus mort et ressuscité. Donc, la rupture du pain signifie les petites morts que nous avons à vivre dans nos semaines, dans notre vie. Les déceptions, les peines, les deuils, les épreuves, mettez-en, les maladies, mettez-en, tout ce qui est, tous les défis que nous avons relevés, les croix que nous avons apportées avec Jésus, c'est dans la rupture du pain que c'est présent. Mais en même temps, la communion nous fait vivre la vie nouvelle, donc la vie de ressuscité qui nous habite depuis notre baptême. Elle est nourrie par ça. Alors, c'est pour ça donc, que Jésus rompit, nous on rompt aussi, mais un peu plus tard, et il y a une distribution à la foule. Ils furent rassasiés, et à la fin, on ramasse les morceaux qui restaient, et ça s'en vient dans la réserve, comme on fait nous ici aussi après. Cette réserve, aux malades. Alors, il y en a qui se demandaient ce que je faisais dans la vie. J'étais curé, j'étais vicaire, j'ai travaillé au bureau diocésain 10 ans aussi, mais je suis présentement dans les hôpitaux. Et puis, je m'occupe des hôpitaux qui n'ont pas d'aumônier permanent. Ici, les hôpitaux de Sainte-Foy en ont, mais ils n'en ont pas en permanence. Alors, où les prêtres sont débordés, alors j'y vais à ce moment-là. Et puis, j'ai 6 CHSLD à ma charge. Alors, je visite des CHSLD qui ne sont pas des petits, là, c'est des grosses bâtisses. Alors, c'est mon ministère. Et c'est pour ça que je suis sensible à ce qu'il y a toujours dans chaque lieu, une petite chapelle. Puis le ministre de la Santé, il pousse là-dessus aussi, pour qu'on ait le Saint-Sacrement disponible pour les malades. Ça va? C'est bien. Maintenant, j'aimerais ça voir mes amis, les petits, parce que je vais leur expliquer quelque chose sur la messe. Ok, ils veulent venir. Peux-tu venir avec eux? Venez-vous-en ici. Bon, ça va bien. Est-ce que ça vous arrive de temps en temps? Ça veut dire quoi un anniversaire? Surprise, un anniversaire, ah oui, bien sûr. Il y a des surprises, puis ensuite, on évolue en âge. Hein? Bon. Qu'est-ce qui est bon, puis qui n'est pas une surprise? Hein? Le gâteau d'anniversaire. Bon, voilà. Alors, on va travailler avec le gâteau d'anniversaire. Qu'est-ce qu'il y a dans un gâteau dont on doit faire son gâteau? Laisse-le bouger. On n'est pas à l'école, là. Puis même à l'école, aujourd'hui, ça bouge. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans un gâteau? De la farine, des œufs, du lait. Ah, quand on mélange, on ne voit plus les œufs, oui, c'est vrai. Il y a tout ça. Alors, mais il y a quelque chose de plus important dans le gâteau.
chocolat. Mais non, pas de chocolat. Bien sûr. Non, mais t'as raison. Il y en a qui aiment le gâteau au chocolat. Bien sûr. Mais plus important que le chocolat. Pas tout à fait. Non. Laisse-la. Laisse-la faire. Ah, vous allez avoir... Quoi? Ah, les bougies, oui. Les bougies, il y a du feu, mais ça, on ne le mange pas. Ah, vous avez peur qu'elles tombent. Ah, c'est ça. Bon. Les futurs bons papas et bonnes mamans, là, c'est ça. Oui, ben, très bien. Je vais vous le dire, c'est un secret. On ne dit pas aux autres, hein? On ne dit pas aux autres. La personne qui fait le gâteau, d'habitude, c'est la maman. Qu'est-ce qu'elle met dans le gâteau? Tout son cœur et tout son amour. Avez-vous... Ah non! Oui, des fois, elle peut faire dessiner un cœur sur le gâteau, c'est vrai. Regardez ceci. Ça, est-ce que vous savez ce que c'est? Une hostie. Est-ce que c'est nutritif? Si vous mangez juste ça pour dîner, là, vous avez... Non, ça va venir, la première communion. Mais il n'y a pas beaucoup de protéines, puis il n'y a pas beaucoup de vitamines là-dedans. Puis c'est sûr que si tu manges ça à midi et quart, tu as déjà faim. OK? Pourquoi Jésus a choisi une hostie pour faire la messe? Au fond, ce n'était pas des hosties, c'était du pain azyme. Ça ressemblait plus à des biscuits soda, mais c'est pas beaucoup plus nutritif. Sauf quand on a, on est malade un peu d'estomac. Mais pourquoi il a choisi ça? Pour montrer que ce n'est pas le support qui est important. C'est, comme pour le gâteau d'anniversaire, c'est tout son amour et toute sa personne, et toute son attention, tout son cœur qu'il met dans ça. Alors, c'est pour ça que quand je vais demander au Saint-Esprit de venir le consacrer, je vais dire les paroles de Jésus après, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, ceci c'est ma personne. » Alors, est-ce qu'il y en a qui ont déjà commencé à faire de la cuisine un peu ici? Oui? Parfait, c'est bien. Alors, quand on commence à faire de la cuisine, ben, on ne fait pas ça à reculons, on fait ça parce qu'on aime. On fait ça pour les gens qui vont venir, les visiteurs, les amis. On veut bien les recevoir, on met aussi son cœur. Puis si quelqu'un vous demande votre recette, ce n'est pas ce qui est écrit dans les livres de recettes. Ça, ils peuvent l'acheter partout dans les librairies. Non, ça, c'est passé de l'eau et du pain, mais on met son cœur. Dans une recette, on met son cœur. Quand quelqu'un dit « c'est bon », c'est que tu as mis quelque chose de spécial de ta personne dedans. Et Jésus avait compris ça. C'est pour ça qu'il choisit quelque chose qui n'est pas plus épais que 5 feuilles de papier ensemble, mais tout son cœur est dedans, toute sa personne. C'est ça la messe. Alors, quand on dit qu'on vient se nourrir, comme j'ai dit tantôt, c'est pas des vitamines, c'est pas des protéines, mais c'est la personne de Jésus, c'est son cœur. Ça a-tu du bon sens? C'est pour ça qu'il existe des prêtres, parce qu'ils croient tellement à ça, qu'ils mettent eux autres aussi avec Jésus toute leur vie. C'est pour ça qu'on est baptisé aussi, pour mettre toute notre vie avec Jésus. Ça marche? OK. Pas trop fatigué? Non? Je vais travailler, hein? Alors, on va continuer la messe. OK. Très bien. Merci d'être venu. Alors, avec notre foi en l'Eucharistie, ben, redisons notre profession. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Est-ce que vous avez eu la feuille? Oui? OK, parfait. Alors, moi je fais ce que les madames ont écrit, hein, j'obéis. Hein. Alors, le Seigneur Jésus nous invite à sa table et il se met à notre écoute. Confions-lui les besoins de l'Église et du monde. Nous répondrons, exauce Seigneur la prière de ton peuple. Oui. Pour que toutes les personnes baptisées redécouvrent l'importance et la signification de l'Eucharistie, le Seigneur. Exauce, Seigneur, la prière de ton peuple. Pour que chaque communauté chrétienne puisse compter sur la présence d'un prêtre pour présider le repas de l'Alliance nouvelle, prions le Seigneur. Pour que les pères de famille que nous célébrons en ce jour aient le courage et la détermination d'apporter aux leurs le pain nécessaire à la vie. Prions le Seigneur. Pour que nous fassions d'audace et d'inventivité devant les attentes et les besoins des démunis, des malades et des personnes souffrantes, prions le Seigneur. Pour que nous acceptions de partager avec ceux et celles qui ont faim de pain, de liberté et de vérité, prions le Seigneur. Pays du 24 au 29 juillet prochain, nous avons l'Évangile et le désir de nous rassembler autour de la table eucharistique dominicale. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu es le seul à pouvoir combler les cœurs de tous les humains. Donne-leur un signe de ta présence. Siècles des siècles. Je vais s'asseoir. Je vous demande pardon pour avoir fait deux homélies, mais je pense que ça valait la peine. Évidemment, je crois 200% à la présence réelle. C'est sûr que dans le gâteau d'anniversaire, c'est symbolique. Nous, c'est plus que symbolique, là, vraiment. Le Christ se donne totalement, entièrement. Dans le cœur. Et c'est cette personne que. Thank you.
monté 9 fois l'encensoir vers la croix, c'est pour 3 fois 5. Alors 5, c'est 3 coups. Alors 3 fois 5, ça fait 9. Voilà. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, accorde à ton Église les dons de l'unité et de la paix. Par les présents, ce pain et ce vin que nous t'offrons, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire de toi, il s'est offert à toi comme l'agneau sans tache, et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand tes fidèles communient à ce mystère incomparable, tu les sanctifies. Pour que la famille humaine habitant un même univers soit éclairée par une même foi, réunie par une même charité. Nous venons à la table du sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes, unissant notre voix, celle des anges, nous t'acclamons. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus le prit, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et le disant, prenez-vous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous, en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous prions.
ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Alors voici cette deuxième prière qui est, où l'Esprit Saint est demandé. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul. Et c'est, on l'Église, on continue. Souviens-toi, Seigneur, répandu à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité. Nous pensons aussi à nos défunts. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. La messe est offerte aux intentions de M. Lionel A. Veil. Vous savez que à chaque fois que je dis la messe, j'ai le cœur déchiré. De voir en 2022 des chrétiens se battre pour un bout de terre avec les destructions que vous savez, les morts innocentes que vous savez. Avoir le cœur moins déchiré que celui du Christ en croix. Prions pour tous les défunts. Souviens-toi de toutes les races, de toutes les religions, de toutes les situations de famine, de réfugiés qui meurent en mer ou de victimes de guerre. Nous prions pour eux aussi. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous enfin, sur celles et ceux que nous aimons, peut-être que c'est celles et ceux que nous aimons moins, ça arrive, hein? Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Vierge Marie, heureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, fais qu'avec eux nous ayons part la vie éternelle et que nous ayons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors maintenant, vous savez que c'est la messe de l'Église, c'est pas la messe du prêtre. En soi, c'est la messe de l'Église. Alors votre Amen est important. Cette messe, c'est vous qui reconnaissez cette messe, pas moi, c'est vous. Alors là, le Saint-Esprit disparaît, ça ne fait plus pour disparaître, mais le Saint-Esprit se sert de langue pour vous demander si vous êtes d'accord avec la messe. Alors on l'écoute, puis après, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, de gloire pour les siècles des siècles. Ah. Je vais dire aux autres prêtres que je suis pas mal. Première fois qu'on entend un Amen si fort. Consuellement, comme assemblée, et rendons-nous compte que notre Père n'est plus pareil quand on a dit ce beau Amen ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Que ton nom soit le pardon aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Il n'y a pas d'âme. Le déchirement que je vous exprimais tantôt du cœur, liturgie de porte. C'est pas individuel, là, c'est la liturgie de porte. Et c'est pour ça qu'on serait prêt à communier après un mot de notre Père, mais on va faire deux demandes spéciales au bon Dieu. La paix pour les chrétiens persécutés aussi. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. Nous qui allions de notre Sauveur.
tu as dit à tes amis, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers une vie pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un geste de paix.
Unissons notre prière. Nous t'en prions, Seigneur Jésus-Christ, donne-nous de goûter pleinement à ta vie divine dans l'éternité, ce que préfigure dans le temps présent la communion à ton corps et à ton sang précieux, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Alors, c'est la fête des pères, alors on a une petite prière pour les papas, je pense que c'est à la page 4. Voyons, non, je suis tout mêlé. À page 2, excusez, c'est pas que j'avais placé. Alors ici à droite, on peut la dire ensemble. En ce jour de fête et de joie, nous voulons te rendre grâce, te dire merci pour nos pères, ceux qui sont encore parmi nous et ceux qui sont rejoints. Oui, Seigneur, merci pour nos papas au cœur de la famille. Ils jouent un rôle important. Par leur attention et leur dévouement quotidien, c'est ton amour qui se révèle à nous. Par leur joie de vivre, c'est ta joie qui nous rejoint. Par leurs mots d'encouragement, c'est ta voix que nous entendons. Merci Seigneur pour les papas, les grands-pères et les futurs papas. Montre-leur ta bonté en leur faisant vivre aujourd'hui la plus belle des journées. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous avons partagé le pain de la parole et du corps du Christ. Que ces dons reçus fassent de chacune et chacun d'entre nous une communauté vivante aux mains ouvertes et généreuses. Que le Seigneur vous aide à communiquer le goût de sa présence à celles et ceux, parce que ça existe, hein, qui le cherchent. Allez, au pardon. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Alors, merci à tous les participants et participantes. Alors, vous voyez, il faut que je revienne là, pour apprendre à ne pas me tromper. Là. Ça fait deux fois, j'ai peur de jamais 203, mais je ne dirai pas. Au plaisir. Je vais vous saluer rapidement parce qu'il faut que je sois à Saint-Benoît dans quelques instants. Merci.